Un petit restaurant comme tant d'autres à Greenpoint, quartier branché de New York. Sauf qu'ici, tous les dimanches soirs, interdiction de parler à table. J'organise un dîner silencieux parce que je veux donner la possibilité aux gens d'apprécier la nourriture avec une attention toute particulière. Une expérience habituellement impossible lors de dîners bruyants, surtout dans une ville comme New York. Fermer sa bouche pour mieux déguster. L'expérience a pour but de valoriser l'acte de manger. Produits bio et plats végétariens, mais pas de menu particulier pour les clients taiseux. Nous venons ici avec nos propres intentions, si vous voulez. En fait, nous savons à quoi nous attendre, donc nous ajoutons nos propres énergies à cette expérience. Pendant une heure, la vingtaine de convives mâchent et avalent sans un mot. Certaines sont au bord du fou rire, d'autres en profitent pour croquer des yeux leurs compagnes. Tous, en tout cas, respectent la loi du silence, qui prend fin une fois le dessert englouti. Thanks, guys. L'estomac rempli, les langues se délient. Les clients sont repus et l'expérience a plu. C'est vraiment très agréable. Vous entamez un dialogue avec votre esprit, vous pensez à plein de choses. Moi, j'ai eu envie de rire. Vous passez par plusieurs sentiments. À la fin, vous êtes zen, serein. C'est vraiment agréable de passer du temps ensemble sans avoir la pression d'avoir à trouver un sujet de conversation. Succès donc pour ces dîners silencieux. Ici, il faut réserver plusieurs jours à l'avance pour apprécier un plat en toute quiétude. Pas vraiment étonnant, à New York, le bruit serait la deuxième cause de plainte des clients des restaurants.